quadrillé quasiment. Bah, en fait, je pense que tu vas de toute façon descendre jusqu'à. C'est surtout les 3 derniers mètres, à mon avis, qu'il n'y aura pas besoin de quadriller. Ouais. Tu te mets en bout là. Pareil, tu ne mets pas là, tu mets sur le côté. Tu fais ça. Tu te mets en bord. Et tu te mets en bord. Et là, tu fais ta croix. Comme ça. Comme un compas. Comme un compas. Tu fais ta croix. Je m'appelle Man, je suis artiste peintre, je réalise des fresques dans l'espace public et j'ai 42 ans. Il va me falloir les points jusque là. Si tu peux mesurer 3 mètres, tiens. Ça fait, on va dire, une dizaine d'années que je peins dans l'espace public et j'ai commencé par du collage. J'ai une formation de graphiste à la base, donc j'étais très habitué au papier. J'ai été très vite frustré par le papier, je me suis mis à peindre. Je suis arrivé à Marseille en 2011, donc c'est une ville qui est très taguée, il y a une présence de l'art urbain qui est c'est plutôt une omniprésence de l'art urbain. Ça m'a beaucoup inspiré, j'ai fait mes premières armes là-bas, j'ai monté un atelier avec des gens, j'ai rencontré d'autres peintres, j'ai appris plein de techniques, j'ai développé mes propres techniques de peinture et j'ai commencé à peindre ce que j'avais envie et ce qui me plaisait de peindre, c'était des portraits, des gens, des contemporains, parler des sujets de société qui me touchent au quotidien. Et quelque chose de très graphique, très visuel, sur lequel je me marre, sur lequel j'expérimente, sur lequel à chaque fois que je fais une fresque, j'expérimente des nouvelles choses, des techniques que j'ai pas, des pratiques que j'ai pas et de me marrer. C'est un gros kiff de faire de la recherche comme ça. Donc là, on est à Rieux-la-Pape, c'est une banlieue au nord de Lyon. C'est un quartier dans lequel il y a beaucoup de tours. Il y en a certaines qui sont en réhabilitation ou destruction. Chaque projet est vraiment très différent. Il y a un contexte, il y a un endroit, il y a... Ici, on est à Rieux-la-Pape, c'est un festival. Et à partir de là, moi, je fais mes recherches sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, la forme du mur aussi. Tu peux me descendre d'un mètre? Stop, c'est bon, merci. On a des contraintes techniques, temporelles qui sont là. Et du coup, sur cette fresque, j'avais 5 jours. Donc une fois que je suis sur le mur, faut qu'il y ait tout qui roule, quoi. Bah, l'art urbain, pour moi, sa raison de vivre, c'est l'espace public. Donc t'es dans un endroit où n'importe qui peut le voir. C'est quand même un univers artistique dans lequel tu peux t'exprimer. Et moi, je me suis nourri d'images toute ma vie, de musique, de films. Je montre quelque chose, je donne une idée, je donne une image. Chacun la saisit comme il a envie et se nourrit avec. Et il y a des idées qui sont ou poétiques ou sociales dans ce que je fais. Et chacun s'en sert comme il a envie. Et c'est ça que je trouve beau dans l'art urbain. Sur un projet comme ça, moi j'ai quand même principalement besoin de pouvoir me concentrer sur mon dessin, mon travail de peintre, gérer mes timings, etc. Et là, c'est bien d'être pas tout seul, parce qu'il y a un cordiste avec moi qui m'aide, qui gère les cordes, les accroches, toute la sécurité, toutes les installations. Et du coup, ça régale pour moi, je suis concentré que sur mon travail et j'ai quelqu'un qui m'assiste. Et ce que j'aime bien en bossant sur corde, c'est qu'il y a un côté. Et un côté, une forme de liberté, quelque chose de très brut. J'ai pas de machine, j'ai pas de moteur, j'ai juste une installation et je peux travailler comme ça de manière très libre. Là, sur des énormes façades, tu montes, tu descends, tu te déplaces à gauche, à droite. Il y a quelque chose d'hyper fluide et de très, ouais, très naturel, très excitant. Je le vis comme un live quand je suis en train de peindre. C'est un moment dans lequel je suis immergé et souvent je peins pas de fond, donc j'ai pas de gomme. Je peux pas repeindre une erreur. Donc quand je fais un truc, je suis dedans et je sais que je le fais en une fois, que je vais le faire bien. Donc c'est quelque chose de très vivant. Déjà c'est physique, donc j'engage tout mon corps dedans. Et tu le vis, c'est maintenant que tu le fais, tu le fais entièrement. Donc je suis immergé dans ce que je fais complètement.
Ah, ça va péter. Qu'est-ce que ça demande comme qualité? Ah, de l'enthousiasme. Je crois que c'est la plus grosse qualité qu'il faut avoir. Il faut avoir envie, Moi, je fais ça parce que ça me fait super triper. Et après, tout ce qui est technique, artistique, relationnel, pour moi, ça vient derrière l'énergie d'avoir envie de faire. Et là, sur ce projet, c'est génial parce qu'il y avait plein d'acteurs qui avaient envie de faire. Entre les partenaires, le festival, et puis les gens avec qui je suis en train de travailler là, tout le monde est hyper enthousiaste. Donc, je trouve que c'est ça le moteur, c'est le vrai moteur d'un projet comme ça. Finito.